Des hommes sont morts pour Tindouf. Des dizaines d'hommes sont tombés dans le sable du désert. Pour Alger, ils sont les martyrs du socialisme. Et M. Ben Bella a tenu à donner à quatre d'entre eux des funérailles nationales. Qui connaissait les noms de Tindjoub et d'Assi Beïda, ces deux pauvres Bordjes perdus dans les sables à quelques dizaines de kilomètres au sud de Colombéchar? À peine quelques nomades. Mais depuis que le canon a tonné, il n'est plus personne qui les ignore en Afrique du Nord et dans les chancelleries du monde entier. Après tant d'autres, la frontière qui sépare l'Algérie du Maroc a pris place dans la genèse d'une guerre. Drôle de guerre. Hier soir, à Bamako, le président Ben Bella et le roi Hassan II ont conclu un accord. Dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit précise, un cessez-le-feu interviendra sur toute l'étendue du front. Mais il restera à régler le fond du litige. Il restera à oublier ses morts. Cette guerre a étonné. Comment concevoir chose pareille entre deux États à peine sortis de leur histoire coloniale? Deux pays que rapprochent race, langue, religion et passé. L'Algérie révolutionnaire est condamnée à aller de l'avant. La révolution socialiste doit, selon Alger, gagner les peuples marocains et tunisiens. D'où les propos véhéments tenus ces derniers temps par Radio Alger contre le roi Hassan II et que les transistors dans les rues, poussés à l'extrême de leur puissance selon l'habitude, n'ont cessé de propager. D'où les manchettes des journaux incendiaires contre ce qu'ils considèrent être une dictature monarchique et féodale. Comme le disait le colonel Boumediene, le dynamisme de la révolution algérienne ne peut se limiter à ses frontières, pas plus que le colonel Nasser n'a pu se confiner dans la vallée du Nil. Et les étudiants que vous allez entendre, au fond, ne disent pas autre chose. C'est un problème qui est vraiment assez inquiétant, pour c'est le cas de le dire, d'autant plus que depuis longtemps avec le Maroc, nous sommes très très unis, et c'est une question qui est ma foi très épineuse, parce que le Maroc, en tant que le peuple marocain, nous n'en verrions absolument rien avec lui, nous sommes frères depuis toujours, mais c'est plutôt le régime marocain qui est contre nous. On n'en veut pas aux Marocains, on en veut surtout à la monarchie et non pas aux Marocains. Il est très difficile de rester calme quand on essaie de vous manger de votre pain. Vous pensez que ce que vous appelez l'agression marocaine est injustifié, hein? Justifié ou injustifié, pour nous, nous ne voyons pas pourquoi les frontières ont été respectées tant que la France était là et que maintenant, ils nous prennent Tindouf. Toutes les richesses, ou la plupart, les richesses sahariennes sont accumulées là-bas, point de vue fer, par exemple. Dans ce contexte, on ne saurait alors oublier que demain, jour de la Toussaint, l'Algérie doit célébrer l'anniversaire de sa révolution, à la faveur d'un déploiement gigantesque de fleurs et d'étendards. Leur révolution, les Algériens ne veulent pas la garder pour eux seuls. Autrement dit, l'unité du Maghreb doit passer par un changement de régime en Tunisie et surtout au Maroc. Mais le peuple marocain est-il prêt à se rallier aux thèses de M. Ben Bella? Effrayé par la virulence des propos tenus par la presse algérienne, craignant pour leur vie, au plus fort du conflit, les Marocains d'Algérie se pressaient devant les portes de leur ambassade. Ils voulaient retourner dans leur pays. Avaient-ils raison d'avoir peur? Un seul homme aujourd'hui à Alger peut répondre à cette question, le président Ben Bella. Nous ne voulons pas nous substituer au peuple marocain pour choisir son régime ou le... Mais nous pensons que notre action, notre révolution par elle-même, l'expérience que nous menons par elle-même, finira par corriger les insuffisances du régime actuel au Maroc. Je vous cite un exemple. Dès que vous passez la frontière ici, eh bien vous avez des domaines de 1000 hectares qui sont en autogestion. À 500 mètres plus loin, c'est le domaine du Pacha et du Caïd. Et c'est le régime du Moyen-Âge. Voilà la réalité. Or, à la frontière, ce sont les mêmes populations qui vivent,
qui vont dans le même marché, qui vivent en commun, peut-être certaines populations beaucoup plus entre elles sur la frontière marocaine qu'avec, par exemple, la région de Marnia, est plus en contact avec Oujda qu'avec Tlemcen. Car de Marnia à Oujda, il y a 24 km, c'est un biar. De Marnia à Tlemcen, il y a 57 km, et c'est une route montagneuse. Ce qui fait que les gens de Marnia vont se ravitailler beaucoup plus à Oujda, et réciproquement, qu'ils ne vont à Tlemcen. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontière. Et les hommes suivent la nature. Et donc, c'était une situation qui ne pouvait pas ne pas devenir gênante pour nos amis en face. Nous venons de participer à la conférence d'Addis Abeba, de signer, d'accepter la charte d'Addis Abeba. Nous pensons que c'est le cadre le plus naturel pour résoudre ces problèmes. Car il y a ceci. Il y a que le problème posé actuellement intéresse toute l'Afrique. Car des mêmes problèmes existent un peu partout en Afrique. C'est le problème des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Car si nous n'acceptions pas cela, si par référence à l'histoire, on voulait justifier l'existence d'un pays en refaisant la carte, en retouchant à la géographie, enfin aux frontières qui existent actuellement, eh bien, ce serait un précédent grave pour tous les pays, notamment pour l'Afrique. Et nous voudrions qu'à travers notre problème, une fois pour toutes, que ce problème soit clarifié. Ce n'est pas le seul problème. La Somalie a des problèmes avec l'Éthiopie. Elle a des mêmes problèmes avec le Kenya. Le Togo a des problèmes. Le Maroc a des problèmes avec l'Algérie, mais il les a avec la Mauritanie, il les a avec le Mali. Voyez la carte d'Al Al-Fassi. La carte d'Al Al-Fassi, eh bien, elle supprime tout simplement le Mali de la carte de l'Afrique. Elle va chercher les frontières sud du Maroc, eh bien, à Saint-Louis du Sénégal. Lorsque l'explosion de Reagan a eu lieu, la dernière, le Maroc a protesté auprès de la France parce que l'explosion a eu lieu sur son territoire. Et nous a demandé de nous associer à sa protestation. Alors, nous voulons qu'à travers ce problème, une fois pour toutes, le problème des frontières soit posé, car nous estimons que c'est un problème qui serait lourd de conséquences s'il n'était pas clarifié, si une position définitive n'était pas prise par tous les pays concernés, notamment les pays africains. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous fiche la paix. C'est que nos frontières, on les laisse là où elles sont, et c'est qu'on nous laisse nous occuper de l'autogestion et de ce que nous sommes en train de faire ici, c'est que notre expérience ne soit pas gênée. On ne comprend pas, et vous le savez bien d'ailleurs, toujours ce que l'on fait ici, et on vous reproche souvent, plus que les mesures que vous prenez, la façon dont vous les prenez. En tout cas, je puis dire ceci, c'est que nous n'avons pas du tout l'intention d'être choquants quand nous prenons ces mesures. Et simplement ceci, c'est que chez nous, il faut absolument régler certains problèmes, et les régler rapidement. La régler en fonction d'une gestation politique qui se fait, qu'il faut les régler dans leur temps aussi. Quelquefois, bien sûr, cela peut paraître choquant de prendre des mesures rapides. Quand on mange bien, quand on se remplit le ventre bien, on n'est pas pressé. Ici, beaucoup de gens ont faim, beaucoup de gens ont des problèmes qui sont posés et qui voudraient les voir réglés. Et c'est ce qui explique très souvent notre action. Bien. N'est pas très bien comprise. On nous fait reproche de la faire de telle ou telle façon, de ne pas respecter peut-être certaines formes. Moi j'admets que peut-être que les formes ne sont pas très respectées. Mais cela, je pense que une révolution à son style, à sa façon de faire, qui ne sont pas obligatoirement des façons de faire, qui veulent blesser ou qui veulent choquer. Je n'ai jamais dénoncé les accords d'Évian, j'ai dit que les accords d'Évian ont été conçus dans des conditions, ont été le fait d'accords circonstanciels. Qu'il fallait les faire et qu'il était sage de les avoir faits à ce moment-là. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été le produit des circonstances particulières. Il fallait faire la paix à tout prix, car il y avait un drame qui existait dans ce pays. Il fallait absolument qu'un accord intervienne. Et je, personnellement, je suis le premier à avoir apporté mon accord
à ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que, obligatoirement, ces accords sont ce qu'il y a de mieux pour régir des rapports durables entre deux pays. Il n'est pas question pour nous de nationaliser les pétroles. Nous estimons qu'on a fait la portion congrue à l'Algérie, et précisément en raison de ces circonstances exceptionnelles. Et nous estimons quand même qu'il faut aussi revoir cela. Mais il n'a pas été question. Et il n'est pas question de nationaliser les pétroles. Je vous remercie, M. le Président, mais avant de vous quitter, j'aurais vous demander pourquoi êtes-vous en treillis. Je vais garder toute ma vie treillis. Je ne l'enlèverai plus jamais, jusqu'au moment où j'irai dans le... J'enlèverai plus. J'attendais qu'une occasion pour mettre le treillis et enlever le reste. L'occasion m'a été fournie par Moulay Hassan. Je trouve que je suis très bien en treillis. Quel symbole? Un symbole, je suis les chemises, les cravates, ça me gêne. Tout simplement. Je suis mieux comme ça. Ce treillis, ils sont des centaines de volontaires à l'avoir endossé pour défendre l'Algérie socialiste. À l'aéroport de Maison-Blanche, les Caravelles et DC-6 d'Air Algérie les ont embarqués pour le front. La guerre, c'est d'abord la base de Colombéchard où sont stationnés les 4 MiG des forces aériennes algériennes. MiG cloués au sol faute de kérosène. Pour les soldats algériens, la guerre commençait ici. On pouvait admettre que le rideau de fer, telle frontière dans les Balkans ou les confins sino-indiens, puisse à la rigueur susciter un conflit. Mais comment l'imaginer entre des frères dans ce décor de sable? Les faits sont là, les images aussi. Pendant une quinzaine de jours, dans leur tenue léopard, les soldats algériens, au terme de la mobilisation générale, sont partis pour le front. De violents affrontements allant jusqu'au corps à corps ont opposé plusieurs milliers de combattants. Pour que se taisent enfin les canons, plus de 24 heures ont encore à s'écouler. Mais déjà, certaines leçons peuvent être tirées de cette méchante guerre fratricide. Sur le terrain, les Marocains ont incontestablement remporté la bataille. Mal armés, mal équipés, sans tanks, sans avions, les forces de M. Ben Bella ne se sont pas montrées à la hauteur de la réputation gagnée dans la lutte contre l'armée française. En revanche, sur le plan diplomatique, le président algérien a marqué un point. Il a obtenu que le problème soit discuté dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine, où le roi du Maroc n'a évidemment pas bonne presse. Un point partout, est-on tenté de conclure. Mais le conflit n'est-il pas destiné à rebondir entre un président qui trouve de plus en plus son inspiration auprès de Fidel Castro et un roi attaché à sa monarchie bourgeoise? Pour l'heure, en attendant le cessez-le-feu, les mouvements de troupes se poursuivent entre les dunes. Jusqu'à la dernière minute, le sang algérien aura coulé. Pourquoi ?